L'histoire entre le Bénin et le Togo n'est pas seulement une histoire de pays voisins, mais aussi et surtout celle d'une amitié, d'une fraternité. Aujourd'hui, Marc, d'une pierre indélébile, la rencontre sur la terre béninoise entre deux clubs. Nous vous souhaitons ensemble, encore une fois, la bienvenue à cette session. Sur ce, nous ouvrons cette session conjointe. Cotonou Elite Toastmaster Club et Excellence Excellence Toastmaster Club de Lomé. Chers amis Toastmasters, chers invités, l'égoïsme et la haine ont seulement une patrie, la fraternité n'en a pas. Cette citation veut nous faire comprendre que la fraternité n'a pas de frontières. Oui, s'il est facile de haïr quelqu'un, s'il est facile de se récuser dans son égoïsme, la fraternité nous permet d'ouvrir les frontières de l'impossible et de pouvoir accéder à des relations pour pouvoir apporter à autrui ce que nous pouvons lui faire pour tisser un lien plus fort. Un lien plus solide pour une humanité fraternelle et positive. Je suis très heureux d'animer très modestement cette session avec Olivia. Olivia, que j'ai découvert hier et que je nomme déjà ma fille. Mais la rage. Comme le disait Michel de Montaigne, la plus grande marque de sagesse, c'est une constante réjouissance. Et avec mon papa, le docteur Bruce, nous sommes très honorés d'animer ce moment de réjouissance avec vous. Ce soir, nous avons concocté pour vous un alléchant programme. Nous allons nous délecter de discours, des plus impromptus aux plus préparés. Des discours préparés. Pour ma défense, permettez-moi de vous dire que je n'ai rien de personnel ni contre le féminisme ni contre les féministes. Le féminisme n'est pas qu'au féminin. Le féminisme, c'est aussi ces hommes qui luttent aux côtés des femmes pour l'équité genre. Pour un féminisme plus conciliant, il faudrait quand même que les femmes intellectuelles, que les femmes leaders aient le courage de recadrer leurs sœurs quand elles déraillent sur les réseaux sociaux. Pour un féminisme plus juste, pour un féminisme plus constructif, je vous inviterai, vous tous, féministes de tous bords, venez, venez vous joindre à moi pour un nouvel féminisme. Un nouvel féminisme dans lequel l'homme n'est pas un ennemi, mais plutôt un allié. Je tiens à inciter les femmes et les hommes ici présents afin que, plus que jamais, nous puissions repousser les limites des problèmes ou des barrières qui entraveraient l'évolution de la femme dans nos sociétés. Imaginez ce que l'on peut faire si l'on se met ensemble. Nous allons repousser les limites de l'impossible et nous allons plus que jamais permettre aux femmes de s'exprimer sur des terrains où elles ne peuvent le faire. Réduire la pauvreté, c'est d'abord donner à la femme du pouvoir dans la société. Cela se traduit par un meilleur accès à l'éducation, à la santé, par de meilleures opportunités économiques et une large représentation au niveau politique. C'est aussi
lui donner la liberté de choisir, de disposer seule de son corps, de choisir quand et combien d'enfants elle souhaite avoir, et cela en dehors de toute pesanteur sociale, économique, religieuse, familiale et culturelle. Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Nous connaissons tous cette citation de Gandhi qui nous interpelle et qui nous demande à faire des changements dans nos communautés, dans notre pays, dans notre famille et dans nos sociétés. Mais nous attendons souvent très peu sur le plus essentiel dans cette citation. L'essentiel dans cette citation qui nous demande à travailler sur nous-mêmes, à être de meilleures personnes, parce que nous devons être de meilleures personnes pour pouvoir véritablement contribuer à un meilleur monde. Les orateurs nous ont sidérés. Épatés. Les orateurs nous ont présenté de très beaux discours. J'ai noté une alchimie, une complicité. J'ai noté le partage, une communion et la fraternité. Nous avons fait ce déplacement de Lomé, le cœur en joie, heureux de retrouver des amis qui nous avaient charmés par leur savoir-faire. Ils sont venus, nous avons encore appris énormément d'eux. Nous osons espérer qu'on a partagé avec eux également un tout petit quelque chose. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons dans cette salle, avec autant de chaleur, autant de convivialité pour ce match pour tout. J'ai pris du plaisir à savourer ces moments. Ce n'est que le début, puisqu'il y a une deuxième et certainement une troisième partie du match. Donc, restez scotchés, car le meilleur reste encore à venir. Et c'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir remettre ce type d'activité à jour pour nous permettre de nous retrouver. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, je voudrais, à mon nom personnel, et au nom de la présidente de Excellence Toastmasters Club de Lomé, vous dire merci. Je voudrais donner un maximum de poids à un petit mot. Merci. Sur ce, nous déclarons close cette session conjointe.